Dans ce rapport annuel, la Russie, la Chine et la RBDC sont désignées comme les principales préoccupations de Tokyo en matière de sécurité. Un porte-parole de l'ambassade de Chine à Tokyo a déclaré que ce livre blanc interférait avec les affaires intérieures de la Chine, avec des déclarations portant sur Taïwan, Hong Kong et le Xinjiang. La parution de ce document intervient alors que le gouvernement japonais s'apprête à revoir sa stratégie de sécurité nationale. Le Japon envisage en effet de doubler ses dépenses militaires en les faisant passer à 2% de son produit intérieur brut, tout en développant des capacités de première frappe contre les bases ennemies. La nouvelle version japonaise du livre blanc sur la défense accuse et diffame la politique de défense, le développement militaire normal et les activités maritimes légitimes de la Chine, exagère la soi-disant menace chinoise et s'immisce dans les affaires intérieures de la Chine sur la question de Taïwan, sur laquelle la Chine exprime son fort mécontentement et son opposition résolue. La Chine a fait part de ses observations solennelles à la partie japonaise.